Aujourd'hui, c'est printemps. Je regarde par la fenêtre, j'aperçois le soleil, la nature qui s'éveille, moi, ça m'émerveille. Dans le jardin, il y a des fleurs, elles amènent la fraîcheur, avec toutes leurs couleurs, elles attirent les promeneurs. Le matin, la rosée m'invite à respirer, le parfum des fruitiers qui remplissent mon verger. En ce moment, je dévoile mes sentiments. À l'approche du printemps, pour moi c'est important. Je me sens décontractée, j'ai envie de m'amuser. Je me sens toute excitée, j'ai envie de profiter. Les premières chaleurs me font très chaud au cœur. Allez, maintenant c'est l'heure, je laisse la place au bonheur. Dans mon jardin, j'admire tout ce qui est en train de fleurir. J'ai envie de ressortir, de retrouver le sourire. Cette saison me donne des envies, je crois même que j'ai grandi. Une étape de franchie, c'est ça la vie. Aujourd'hui c'est le printemps, mais on est en confinement. Dehors on ne voit plus les gens, il n'y a plus aucun mouvement. L'impression d'être isolée, quelquefois même angoissée, quand chez moi il y a les pompiers qui les aident à respirer. Pour mes voisins c'est pas l'heure, ça me fait mal au cœur de ce malheur, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est cette pandémie? Ça me terrifie. Le monde vit au ralenti, quand vais-je revoir mes amis? Une sensation d'être en prison, à l'intérieur de ma maison. Une voie de guérison, une ligne vers l'horizon, écrivons. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je me sens un peu solitaire. Faut que je retrouve un peu d'air. J'ouvre la fenêtre, là la lumière. Faut que je garde le moral. Cette situation n'est pas banale. Voir mes amis, ça serait génial. Pour moi, les relations, c'est vital. Je me trouve des activités. Alors c'est sûr, il y a la télé. Mais l'important, c'est de se retrouver en famille pour discuter. Je m'ennuie un peu, ça c'est sûr. J'invente des aventures. Prendre soin de soi, c'est important. Faut que j'aille de l'avant. Je voudrais qu'on trouve un remède pour avoir une vie meilleure. Ça, c'est sûr, il faut qu'on s'aide pour retrouver le bonheur. Aujourd'hui, on prend le temps. Sur d'autres choses, on met l'accent. Malgré ces mauvais moments, on adopte un nouveau fonctionnement. On apprend à se protéger en ayant de nouvelles activités. On apprend la solidarité car on est tous touchés. On prend une autre direction aux autres. On fait attention. C'est avec une bonne protection qu'on changera notre condition. Des fois, j'ai envie de croire que si chacun y met du sien et avec un peu d'espoir, le monde serait plus humain. On apprend à travers cette épreuve que personne n'est au-dessus des lois. Le respect en est une belle preuve. Que chacun reste chez soi.